Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment débloquer un circulateur de chauffage. Celui-ci a pour fonction d'envoyer dans votre plan chauffant, dans vos radiateurs, l'eau de votre chaudière. Il se peut qu'au redémarrage à la saison, au début septembre, début octobre, votre circulateur ne démarre pas. Alors, deux possibilités, soit vous avez un problème électrique, mais le plus fréquent, c'est que vous avez le circulateur qui c'est gommé. Alors, que veut dire gommé? En fait, vous avez la pale du circulateur qui restait tout l'été dans l'eau statique. Donc, celui-ci, avec le calcaire contenu dans l'eau, s'est bloqué. Alors, il vous faut juste le débloquer. Opération très simple. À l'axe du circulateur, vous avez une vis ici, avec soit un tournevis plat, soit avec une clé Allen. Celui-ci est un clé Allen. Donc, je vais démonter la partie ici, le cache. Et au milieu, vous avez une vis qui elle est bloquée. À l'aide d'un tournevis plat, vous prenez, vous faites quelques tours. Hop, et là, ça permet tout simplement de le dégommer. Vous remettez le cache. Hop, et l'opération est terminée. Et là, vous pouvez redémarrer votre chauffage.